Alright, explication de la phase 1. Phase 1, ça commence, la salle est... Comme ça. On va mettre des markers. Comme ça. Un marker ici. Yeah, whatever. Ça. Ça ici. Un autre marker. Six mois. La 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 la. Alright. On va venir par ça. Alright, fait que c'est simple. On prend le boss. Le boss c'était quoi, non? Alright, on prend le boss. On l'aggro. On va mettre des markers comme ça. Là, 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 là. Mettons qu'on aggro le boss ici, puis on le tank là. Alright, on le tank là. Avec les ranges, faut que vous partiez la séquence puis vous soyez idéalement soit ici ou soit là. Pas ici. Comme ça, quand il va y avoir le premier demolition, admettons que vous êtes ici. Vous allez partir ici. Puis là, vous restez ici jusqu'à ce qu'il y ait le premier demolition. Quand il y a le gros rond qui arrive, vous vous déplacez ici. L'autre marker, vous attendez qu'il y ait un autre demolition. Quand il y en a un autre, vous arrivez ici. Vous restez là. Finissez ici jusqu'au dernier demolition. Après ça, on saute derrière ça. La raison pour ça, c'est qu'on veut pas qu'il y ait de demolition qui arrive proche des tanks, sinon on va manger du gros dégât, les melee. That's it. C'est juste ça. En arrière des markers. Pour les mark for death. Et voilà. Sinon, ben, vous mourrez. Comme ça. Vous êtes mort. Phase 1, 70%, contre GG.